Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 1 et on va reprendre là où on s'était arrêté avec les avions. Donc le deuxième chapitre, c'était Avant mon voilà. arrivée en Europe, Oui. je n'avais 7, jamais on vu un arrive en avion Europe, de tac mes tac yeux. tac. Donc on était rendu à guerre totale avec la forteresse qu'on devait péter. Qu'est-ce que tu fais? Faut rentrer maintenant! On s'en fout! Adresse! Adresse! C'est comme ça qu'on a découvert accidentellement où les Allemands entreposaient leurs munitions pour la moitié du front ouest. Et les photos de Wilson allaient aider le QG à préparer un assaut d'ampleur. Avec juste un léger souci. Ça, j'en suis pas si sûr. C'est bon, je te dis. On a fait un super coup. Ça vaut bien une médaille. On n'était pas censé survoler cette zone. Quand le commandant verra ces photos, il sera bien content. C'était un coup de maître. Et on peut le refaire. On va passer un marché. Si tu veux que je ferme ma gueule, alors tu dois me faire la promesse. Que tu me ramèneras en un seul morceau. Ouais, compte sur moi. Jure-le. Je veux ta parole. D'accord, c'est promis. Toi, tu restes ici. Et tiens-toi tranquille, bon Dieu. Entrez. Bon, je l'aimais bien ce type, mais il était un peu naïf. Monsieur, je pense que ceci vaut le coup d'œil. Bonté divine, tu veux bien avoir assez. C'est sûr, un sacré pilote. Nous avons presque aussitôt repris l'air. Notre mission consistait à ouvrir la voie aux bombardiers, pour qu'ils puissent détruire cette forteresse. Avant tout, il faudrait détruire ce barrage de dirigeables. Bon sang. Je plaignais presque les observateurs Bosch. Ensuite, il faudrait s'occuper des camions de DCA. L'assaut battait déjà son plein à notre arrivée. Il allait falloir s'occuper de toutes ses défenses, puis escorter nos bombardiers jusqu'à la cible, quand ils approcheraient. Une mission difficile, mais une victoire ici changerait le cours de la guerre. Pas légère. Une situation qui n'enchantait pas Wilson. Maintenant qu'on est dans l'action, ça a vraiment l'air dangereux. Fais-moi confiance. Et boucle quand même ta ceinture. Il faut ouvrir la voie à nos bombardiers. C'est facile. Surveille mes arrières. Tant qu'ils sont derrière, ça. Bordel. Eh ben. C'est vrai qu'il me tire dessus. Les canons de DCA s'installent en dessous. Je les vois. Mettons-les vite hors des appuis. Il en arrive un derrière nous. Fais quelque chose. Oh putain, je suis un con. J'avais pas vu cette maison. 1917, je suis mort, oui. Tiens, s'installe en dessous. Je les vois. Mettons-les vite hors d'état de nuire. Ah, je recommence à ce niveau-là, d'accord. Il reste les camions de DCA. Dégage dès que tu peux et va t'occuper d'eux. Je vais réparer.
pas encore dans ce sens. What? Qu'est-ce qu'il se passe? On l'a eu! Bon travail! J'aimerais un soutien, merci. Les bombardiers sont là! Suis la formation de bombardiers! Éloigne-en les chasseurs allemands! Du gâteau, Wilson! Tu vas pas en revenir! Perdu un bombardier. Déjà ? Il faut qu'ils atteignent la forteresse ou cette mission sera un échec. Oh, bordel. Je sais, je sais. Fais attention ! Hey ! Ça suffit, d'accord ? Ouais, les défenses, pourquoi défense, c'est ça ? Sauf qu'on est le seul chasseur, putain. Putain de bordel de merde. Tire ennemi! Tire ennemi! Moi je vais pas prendre ce temps. Je suis peut-être un peu trop près là. La forteresse a subi trop de dégâts. Il en reste plus grand chose. Reste sur les chasseurs jusqu'à l'arrivée de la prochaine vague. Et les boss continuent d'envoyer des chasseurs. Ah, c'est surchaud, j'ai oublié ce détail. C'est pas assez de lui déjà. Le chasseur est fini. Quand même pas mal de chasseurs contre très peu. Hasard, là je regarde même pas s'il y a quelqu'un. On a été touché. Ça t'a marqué. Ah oh, putain, mais on prend super cher, c'est plus qui nous tire dessus là. J'ai regardé faire. Ça fait du bien. S'en occupe, ça se voit. Donc ça fait une forteresse en moins pour les boches. Il va nous rester quoi là comme mission? Encore une, je crois, dans les Vosges. Et après, ça sera peut-être bien en Angleterre. C'est la première fois qu'il y a un temps de chargement entre deux missions.
devient pratiquement rare, ça. Par contre, qui dure 30 ans, ça fait un peu chier, quoi. L'avion était détruit. Il s'était écrasé dans le No Man's Land à un peu moins d'un kilomètre de l'endroit où j'avais été abattu. Wilson, le pauvre, il était resté. Triste pour lui, mais j'avais des problèmes plus urgents. Bring mich um. Verdammt nochmal. Oh, c'est l'appel. Posons ça, groupe. Scheiße. Tu es mort. Non. Putain, j'ai pas beaucoup de balles par contre. Je dois dire que j'avais l'habitude de me déplacer discrètement. Les bars et leurs portes de derrière, les fenêtres de domicile conjugaux. Pas besoin de rentrer dans les détails. Après avoir éliminé ces Allemands, j'ai tiré profit de mes talents et je suis parti vers l'ouest. C'est quelque aussi chose discret qu'un chat de gouttière. Rien du tout, ok. Donc on va aller vers le bas là-bas. Il y a quoi? Un champ de bataille quoi. C'est le mode de dépensement le plus bruyant. Le moins bruyant consiste à avancer à groupie. Merci, je le savais, je pense. Oh mon dieu, des caisses. Entre les lignes britanniques et moi, il y avait des tranchées allemandes, des canons allemands. Bon, bah, et la moitié de la population de Berlin qui cherchait à nous faire la peau. Ça ou il y en a plus? Il n'y a que ça. Ouais, on fait chier quand même. Ça, c'est calme. Une hachette au lieu d'une pelle. Ah oui, un silencieux. Ok. On va éliminer tout le monde, hein. Ça sera plus sympathique. Je sais pas si on peut nettoyer les armes pendant le combat. Jour de chance. Les Britanniques devaient prendre le thé avec des scones au lieu de pilonner les Allemands. Mais il fallait que je franchisse les lignes avant que ces canons ne se remettent à tonner. Ça, même plus sympathique. Oula, ouais. J'ai envie de tuer tout le village.
Martop, ich hab gesehen. Keine Ahnung, was ich gemacht hab. Hältst du eigentlich irgendwann mal die Schnauze? Was ist das? Ganz ehrlich, ich kenne keinen, der so viel redet wie du. Ah merde. Putain. Je finis par l'avoir, mais ça fait mal quand même d'avoir utilisé autant de munitions pour ça. Rede mit einem, den ein Geschwätz interessiert. Ich kann's nämlich nicht mehr hören. Schlimmstenfalls Frostbeulen. Oh, ja. Was ist los mit den Köchen? Wenn die Engländer uns nicht umbringen. Cette hache est tellement grande. Hop. C'est assez sombre quand même comme endroit. Bien là tout petit. C'est quoi ce bruit qu'il a fait là? C'est bon, on m'a pas entendu. Qu'est-ce qu'on a de beau par là? Rien du tout. Alors, rien du tout, tu as rien du tout. Belle. Donc là, les hommes que j'ai tués. Y'a rien là-dedans. Ça me fait un peu chier de plus avoir de munitions dans mon pistolet. J'aimerais bien retrouver. J'ai gâché trop de balles sur l'autre tout à l'heure. Ok. Bon, on va continuer. Oh là, une tranchée. Attends, mais je rentre dans le massacre ou quoi là? Enfin, dans les tranchées allemandes. Ces tranchées étaient remplies de soldats d'élite du Kaiser. Avec un peu de chance, ils s'attendraient à des ennuis venant d'en face. Avec de la chance. La chance, c'est pas mon truc, tu vois. Où est-ce que je peux me cacher? Pas besoin de se cacher. Alors, toi t'as quoi? Tant que j'ai pas de munitions, autant récupérer ça. Dors. Moi, je serais sûr qu'il va pas se réveiller. Wert, une petite caisse, qu'est-ce qu'il peut y avoir, des grenades, ouais. Okay. Je vais aller de l'autre côté, je visite un peu en même temps les tranchées. De l'autre côté, il y avait l'air d'avoir un truc intéressant, allez voir. Voilà. Ah, j'ai eu un succès sur Origin, je dirais. Pendant une demi-seconde et c'est tout quoi. Ils sont tous cons, on regarde tous de l'autre côté. C'est quoi cette arme? Ouais mais non, je vais pas la prendre. J'ai un peu de doute sur cette arme. C'est bien, ils me donnent à chaque fois des armes.
peu, là il y en a deux. Je suis obligé. On va. Le symbole là-bas. Attends, on peut la ouvrir? Non. Ok, je pense que ça a été nettoyé sur pas mal de mètres. Ok. Voilà. Je vais pas faire le corps à corps donc je suis obligé de tirer. Je suis pratiquement arrivé sur le front là. Direct. Je perds des munitions, faire ça ou pas? Bon. Là il veut bien lui. Tout à l'heure l'autre il voulait pas. On va dire on reste dans les tranchées. Ça va durer longtemps cette mission mais j'ai envie de la voir à peu près toute la map quand même. On fait chier à faire des tranchées, c'est pas pour rien quand même. Tueur de masse là. Voilà. J'entends quelqu'un qui crie depuis tout à l'heure, j'ai envie de savoir d'où ça vient. La dizaine de mitrailleuses que j'avais derrière moi m'incitait à me faire tout petit. Le No Man's Land était un labyrinthe de barbelés. De cadavres et de décombres. Et des rapports. Mais j'ai tenu le cap coûte que coûte. Des rats, des chars, des avions. Est-ce qu'il reste quelque chose d'utile dans l'épave? Vous allez voir ça. Wilson,
On est au milieu de nulle part, faut qu'on s'en aille. Tout de suite. Je peux plus bouger. Saleté. Je suis désolé. T'as promis de me ramener en un seul morceau. Chut, parle moins fort. Et nos médailles, hein? T'as dit qu'on deviendrait des héros. Je suis pas un héros. Qui m'a donné ta parole? Qui me l'a juré? Alors soit t'es un homme de parole et tu vas m'aider, soit t'es un connard de seul menteur qui va me regarder crever sans rien faire. Vas-y, décide-toi. C'est l'heure de jouer carte sur table, Blackburn. C'est pas George Rackham, pas vrai? Le fils du comte de Windsor, mon œil! Tu croyais que j'étais con à ce point-là? Allez, on se tire d'ici. Ah bah, j'ai pas fait cette mission quand même. Il perdait beaucoup de sang. Il ne restait pas beaucoup de temps pour le ramener en vie. Dieu, tout puissant. Allez, dégagez, Hiral. Où est-ce qu'il y a quelqu'un de vivant? C'est un raid de poche. Les Allemands n'ont pas l'habitude d'abandonner une proie. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Soit quand je vais me montrer, ils vont me buter, soit ils vont être intelligents, ils vont pas me buter. Bonjour, je suis là. Bonjour toi. Ça va être un peu la merde. Projecteur, les mitrailleuses sont braquées dessus. Tire sur tout. Projecteur. Pas qu'il mitrailleuse dessus là. Allez, je vais attendre qu'il revienne. Je pense. S'il revient. Combien de temps il fait? D'accord. Ouais, j'entends encore gueuler. Il va bien revenir. Voilà, il revient. Lumière. Nos gars vont nous prendre pour des boches. Et ça va. Ils sont aussi cons que ça? Ça va être long de traverser cette lumière. Je fais chier comme ça. Ça se reconnaît quoi, un boche. Putain, je croyais qu'elle était passée à droite, moi, la lumière. Ok, la lumière va passer. Vite, c'est le projecteur. Oh, je fais quoi, mon petit? Reste dans l'ombre. Ce que je fais, mon gars, c'est ce que je fais, je reste dans l'ombre. Arrivez devant un tranché, vous me descendrez les mecs. On a réussi. On a réussi. Bon, je suis obligé de me cacher. C'est bon. Putain. C'est traversé de merde.
Wilson m'a traité de bon à rien de menteur, et d'autres noms d'oiseaux. Si je l'ai ramené, c'est parce qu'il a probablement raison. Et le fait qu'il ait raison me débecte au plus haut point. Il l'a porté à travers le No Man's Land ? Ce type est un vrai héros ! Il n'a strictement rien d'un héros. C'est un tricheur, un voleur et un menteur. Et il devra répondre de ses crimes. Eh oui, Blackburn. Alors, on t'envoie te mettre au vert ? Je vais témoigner pour toi, tu sais, au conseil de guerre. Ça pourra peut-être t'aider. J'en doute, mais... merci. Il me faut un mitrailleur ! Wilson, moi ! Je veux aider ! Rackham, je peux le faire ! T'as rien à foutre dans les airs ! Wilson ! Si je dois crever, je veux que ce soit là-haut. Amène-toi ! On part tous les deux ! T'es sûr que tu veux pas passer ton tour ? Pas de question ! Ouais, putain de médaille ! Hop là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on fera la défense de Londres la prochaine fois. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et bye bye.